bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de South Park, l'anal du destin. Nous en sommes à l'épisode 23, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici et nous sommes bientôt à la fin du jeu, mais j'ai pas envie d'aller directement à la quête principale. J'ai envie pour cela de faire une petite quête annexe qui traîne dans les parages depuis bien longtemps. Aujourd'hui j'ai bien envie de m'habiller en cactus, ça a toujours été un rêve, j'ai toujours aimé devenir l'homme piquant. Voilà, ça a toujours été mon petit bail, ça a toujours été mon petit plaisir. Et est-ce que sur les mains on peut avoir des pics aussi? Bien évidemment, j'ai des pics partout, c'est incroyable. Est-ce qu'on a des lunettes en pic? Non. Malheureusement, on n'a pas les lunettes qui vont avec. Donc c'est parti, je suis habillé en cactus et il y a une dame qui est apparue. Est-ce que je peux prendre un selfie avec? Non, je peux pas prendre de selfie, c'est bien dommage. On va faire la TP rapide, on va faire une quête qui nous est proposée depuis le début du jeu. Plus rapide de la ville. Et il fallait rejoindre au Twix Coffee notre ami Craig, qui est donc ici. Voilà, le Twix bro. Joli, il est là. Le nouveau. On va se TP juste au-dessus. On va aller faire cette quête et après on reprendra sûrement notre histoire principale. Et en plus, vous étiez très nombreux à me dire que la quête était apparemment assez sympa et qu'elle offrait peut-être quelque chose de potentiellement très intéressant. Eux, va qui falloir peut les esquiver. Tenir tête au chaos? Personne. Aucun problème, ils sont très très lents. Le chaos domine. Les losers ruminent. Est-ce qu'on est déjà... On n'est jamais rentré dans le cinéma, attendez les gars. Ah non, mais on n'est jamais rentré là-dedans. Et on n'a jamais eu de quête dedans. Bah alors, les gars, faites un effort. Ça a l'air tellement stylé en plus. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, regardez. Regardez bien. On va le faire, on va le faire. Bougez pas. Il y a un souci, c'est bon. Alors par contre, ça va nous emmener où? J'en ai strictement aucune fucking idée. Sûrement hauteur, forcément obligatoirement hauteur. Et donc ça va peut-être nous donner un costume pour le Marie prochain épisode. Ha. Ha. Ouais. Quoi? Attendez. Forcément quelque chose à faire ici. C'est pas possible que j'ai échoué alors que j'étais dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à potentiellement faire tomber. Ah 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 ah, on a un yaoi. Ah, ah, regardez. Voilà. Ensuite, on a un bout de verre. Je sais pas du tout à quoi il peut servir. Non, 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 j'ai juste foiré. Il n'y a rien à faire tomber. En tout cas, je ne vois rien. Je vais lui reparler, on va réessayer. Peut-être un malentendu dans ce cinéma. Wow, wow. Ouais, non, c'était totalement un malentendu. T'as bon, vraiment dans ce domaine. Pas mal. On a un yaoi, les gars. On a... Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de verre. Très, très bien. On peut rien faire. Par contre, on peut monter. Et je sais pas du tout. Là, c'est totale découverte, les gars. Je sais pas ce qui peut m'attendre sur le toit. On peut encore partir en... Oh. Vas-y, régale-moi. Il y a une chaussure. Est-ce que j'aurais dû la faire tomber avant? Oh mon dieu, comment font-ils? Super, on a réussi. A plus, mec. Ok. On y est. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non. Ok, je peux pas remonter. Je peux pas remonter, c'est la merde. On ne peut pas remonter, c'est terrible, cette issue. Bon, c'est pas grave, les gars. Enfin, si, c'est grave, je suis assez déçu, je vous avoue. Ok, on a quelque chose ici à soulever. Et je sais, c'est quoi? C'est notre super force qu'on a acquis dès le début. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, on va le renverser. Je sais pas du tout. Ah! Ça peut rien d'insurmontable pour Capitaine Gavin? Attendez, on va. Ah, il fait moins rêver. Ah, il y a du yaoi derrière, j'ai vu. Super cute. Ok. Voilà, encore un nouveau yaoi, on apprécie. Et il y a pas mal de trucs bien cachés quand même. Assez cool. On va prendre la sableuse, forcément, les gars. Étant donné qu'on a une aération et on va. Non, c'est juste pour faire tomber, d'accord. Je sais pas qu'est-ce que ça cache tout ça, mais c'est juste incroyable. Boîte à outils, toujours bien muni. Voilà, j'ai appelé tout le monde, hein, quasi. Vas-y, fais-moi rêver. Premier coup. Bravo. Allez, tire-toi. Ok. On va récupérer ça. Ah, c'est une belle tenue, ça, avec la capuche qui va avec. C'est plutôt cool. Tenue des croisés. Bordel, t'as vraiment foutu les boules à ces vieilles gens, le nouveau. Ouais. On peut pas faire de selfie, ça, c'est bien dommage. Bah c'est plutôt cool, les gars. Au final, est-ce que c'était pas... Ah, on arrive derrière, très bien. C'était plutôt pas mal. Très honnêtement, c'était plutôt satisfaisant. Et ça fait plaisir. Oh, regardez. Je l'ai vu. J'ai l'œil. L'œil qui voit tout. Ok. Encore du yaoi.
Je sais pas on est à combien, mais en tout cas, c'est un bien joli nombre. Encore deux yaoi, et on a gagné un niveau, et en plus on est au Twig Bro. Donc ça, c'est vieux très pote bon. Que je déteste aujourd'hui a gardé mon putain d'ordinateur portable. Va le voir, et s'il veut pas te le rendre, dis-lui que j'appelle les flics. Il s'appelle Twig. Tu le trouveras probablement au café de ses parents. Donne-lui ça. Ah, note de Craig à la fonction. Va reprendre mon ordi à ce connard. Ok, donc je Bonjour. Suppose que c'était derrière. Bienvenue au café Twig. Qu'est-ce que je peux faire très, pour toi? Très très bien. Donc c'est ici. Ça donne quoi ces dégustations, fils? J'arrive plus à sentir la moindre différence. Eh bien, continue jusqu'à obtenir le mélange coucher de soleil parfait. D'accord. C'est quoi? Rends-moi mon putain d'ordi! Ah, tu bosses pour lui, hein? Eh ben, va le voir et dis-lui que je lui rendrai son ordinateur portable quand j'aurai récupéré mon foutu cochon. Ah, on l'a acheté ensemble. Mais, ah, Strip est à moi. C'est moi qui ai payé. Ah, j'ai même la facture. Ah, tu trouves qu'il a le droit de garder Strip alors qu'il l'a même pas défendu? Ah, tu lui diras ça. D'accord, reçu de Strip. Ah. Oh, c'est terrible. On va lui apporter... Ils sont chiants, hein. Ils sont très très chiants. Je sais pas ce que je peux gagner dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que Twig a dit pour mon ordi? C'est foutu cochon d'Inde. Ah, d'accord. Tu sais où se trouve la cage de Stripe? Prends-le et rapporte-le à ce mongol. Quand tu Quoi le donneras à Twig, fais-lui bien comprendre que quand on largue quelqu'un, on n'a plus d'ordre à lui donner. Aïe, aïe, aïe. Ma chérie. Ok, c'est un petit peu terrible, donc direction chez notre ami Craig. Parce que c'est lui qui avait gardé le cochon d'Inde. Et on va avoir un petit peu de chemin à faire. C'est tu pas grave, pouvoir les gars. Arrêter le c'est chaos, une quête secondaire, on va la faire. Apparemment, elle est le plutôt chaos cool. Domine. J'espère que vous m'avez pas menti. Par où on peut passer alors? Attendez. Ok, c'est par ici, pas de soucis. Normalement, on devrait voir un coréen. Ou un ninja, voilà, il est là. Ninja Deli Granda. Ok, on est parti, c'est bon, petite esquive. On m'a dit d'aller au Freeman aussi, il y a pas mal de petits trucs à créer. Faudrait que j'y retourne. On verra au passage. Ok, ensuite, c'est par où? C'est par ici, c'est bon, on est. Oh, j'ai déjà. Ah, regardez. Non, j'ai cru que c'était un yaoi. Oh, oh. Oh là là. D'accord, c'est les add-ons. J'ai acheté le deck du danger, je ne savais point. La nuit à la Casa Bonita. D'accord, une nouvelle aventure. Ah, c'est pas mal les mecs, ça vient en 2018 tout ça. Ça vient en 2018. Là, je peux faire un petit coup de sableuse, on le fera au retour. C'est bon, on est à la maison de Craig. Cher client, oh, vous putain. N'avez rien à perdre à part une mauvaise qualité. Oh, putain, il y a les hommes crabes. D'accord. Je me suis foiré à la maison là, j'ai chié les gars. J'ai chié sur la maison le mec. Je peux vous donner un accès illimité au dit chat humain. Là va falloir récupérer son cochon d'Inde. C'est un sacré problème, il me semble en plus. Oh, je crois que c'est la première fois qu'on le voit taffer sur ces petites maquettes. C'est pas mal hein, le jeu. En fait le fait qu'il change en fonction du moment où t'es dans l'histoire, qu'il change pas mal de trucs. Putain avec ses chevaux j'en peux plus. Bah c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Ok, on va passer par ici. Il est là. Reviens. Oh. Un coup de faucon millénium. Ah, d'accord. Ok. C'est pas grave. Ah. J'ai compris. On va mettre pause. Voilà. C'est intelligent ça, Mr. B-Boy. Hop, c'est fait, Strip le cochon d'Inde. Et ça dégage. Allez, je peux revenir à ma place. Merci. Bon, ça les gars, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on n'a rien. On peut juste regarder dans son armoire. C'est parti, il faut faire le chemin inverse. Avant ça, on va regarder ce qu'il y a dans le garage rouge, les gars. Et je pense que l'épisode prochain sera peut-être... Je ne dis pas Cher sûrement, client, attention. Vous n'avez rien à perdre final. À part une mauvaise qualité de communication. Donc là, c'est parti, on va retirer. Il est temps de savoir enfin... Ce que nous cache ce garage. Parce que depuis le temps, ça serait plutôt cool. Ok, quand est-ce qu'on se trouvait? Vas-y, régale-moi. Boîte à outils, toujours bien munie. Ok. Allez, ça c'est fait. Vas-y, retire-moi ça, gros. Fais attention la prochaine fois. Je vais avoir des hémorroïdes avec tes conneries. Oh là, qu'est-ce qu'on a? Bon! C'est pas mal, énigme lumineuse. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Recette, roue du berserker. Ça a l'air d'être une recette fort intéressante. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, là on a quelques doors. Il y a du yaoi. J'ai piqué quelques doors. Ouais, bougez pas.
Voilà. Waouh! Spécial après l'école. Ça, c'est fait. Encore un yaoi, les gars, ou deux. Et on est très très bien. Alors bougez pas, j'ai une nouvelle recette. Est-ce qu'il serait pas temps de regarder un petit peu ce que ça fait? On est là pour découvrir, on est là pour s'amuser. Ok, oracle, très bien. Ça, c'est des artefacts. Elle est là, c'est un artefact. Un artefact qui a l'air plutôt intéressant. Et qu'on va créer, parce que de toute façon, on a de l'argent. On va créer celui-ci aussi. On va se faire un maximum d'artefacts. Voilà. On va prendre celui-ci, le chevauchement annihilant. Et on va prendre l'accélérateur de Tantal. Allez! Ce bus était censé arriver en décembre. On est parti, les gars, on continue. Quand c'est fini, c'est pas fini, comme on dit dans le milieu. La banque, c'était sympa, la quête à la banque aussi. Je sais pas vous. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié. N'oubliez pas que là, il y a le ninja. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour au Freeman's Tacos? On sait jamais. J'ai mis le menu à jour. Si on innove pas, on reste sur le carreau dans le monde des tacos. Oh. Recette de sérum de réanimation max. Oh, j'achète bien évidemment. Le taco suprême, j'achète, j'achète. J'aurais dû l'acheter bien plus tôt, mais je suis un petit peu radin, je vais pas mentir. Merci petit. Ok. Ah putain, 80$ l'actofac, le pédosabre. Si t'as besoin de Morgan Freeman, tu sais où me trouver. Il est temps de changer ces artefacts pour avoir encore un tout petit peu plus de puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Voilà, déjà, ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Rien. Peut-être celui-ci. Ok, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Allez, 750 de puissance. C'est plutôt cool. Et on va les fouiller. Je crois que je suis jamais allé dans les chiottes. Ah non, j'ai déjà fait ces chiottes-là. Bien dommage. Ça, c'est fait. On n'a rien à droite ni à gauche. Très très bien, on peut y aller les gars. Freeman's Tacos. Voilà le héros des paix. C'est parti. Non mais toi tu vas te calmer, ça va faire deux fois que tu m'adresses comme ça. J'ai pas souvenir avoir été par ici, ici. Oh, ça peut être intéressant. Y'a du yaoi. Je l'avais dit les gars. Allez, croche rabu, c'est pas mal. 40$. Ok, une nouvelle étape d'atteint. Joli boulot. Ça c'est fait, et il en reste combien? C'est tout? J'ai eu tous les yaoi de la ville. Ah, regardez, ici il y a un yaoi. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, on a quoi? On peut pas savoir encore ce qu'on a de l'autre côté. Sûrement, dans le Season Pass, il y aura des quêtes ici, ça pourrait être cool. Ok, on est parti. On est parti les mecs. Je peux capturer... Eh, vous savez quoi? Je vais capturer le chat. Étant donné que lui il est de passage et que je sais que maintenant faut mettre pause grâce à vos commentaires d'ailleurs, si jamais. Hop, ça c'est fait. Ombre super gay. Ok, on revient en arrière. Le truc se voit juste ici. Je sais pas ce que t'as mangé le nouveau, mais continue. Ok, eux faut les passer. Qui peut tenir tête au chaos? Personne. C'est terrible, cette apparition. Le chaos domine, les losers ruminent. Elle, j'ai pas souvenir. Non, on peut pas faire de selfie avec. Et là il y a des... Oh. Oh. D'accord. Il y a juste rien à faire. Quand tu le donneras à Twig, fais-lui bien comprendre que quand on largue quelqu'un, on n'a plus d'ordre à lui donner. Ok. Bonjour, bienvenue au café Twig. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On est reparti. Ah! Il s'est enfin montré raisonnable, hein? D'accord. Le voilà, son dandy de merde. Bonjour. Le nouveau, c'est ça? Écoute, je vois que tu fais tout ce que tu peux pour que mon fils et son copain se remettent ensemble et... merci beaucoup. Avoir un fils gay, c'est bon pour les affaires. Je crois que ce qu'il leur faut, c'est une thérapie de couple. Tu pourrais en parler à Craig? Ensemble, on y arrivera peut-être. Aïe, 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 je suis le messager! Oh, c'est terrible, c'est terrible. On va la faire comme ça, on aura notre selfie, les gars. Vas-y, Craig. Où est-ce qu'il est? Une thérapie? Twig veut que je suive une thérapie avec lui. Il rêve. Dis-lui que je ne ferai une thérapie que si tu viens aussi. J'ai besoin d'un soutien. Oh là là, les histoires. Putain, on va jamais y arriver, les gars. Bonjour, bienvenue au café Twig. On va jamais y arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc c'est parti pour une petite thérapie, les potes. Hein? Quoi? Une thérapie relationnelle? Craig, tu te fous de ma gueule? Bon, d'accord, j'irai. Mais seulement si t'es là. T'as l'air de réussir à le rendre raisonnable. Ok, bon, je suppose qu'il va falloir aller
chez... parler à Monsieur Tweak. Oh là 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 là, c'est terrible. Ça ne s'arrête donc jamais. Allez, c'est parti. Tu sais, c'est vraiment super de ta part d'aider ces deux garçons. Aïe, 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 une full tenue électro-punk, ça c'est cool. Désolé, petit, je ne fais de selfie qu'avec les clients. Ah, d'accord. Hop, déjà ça, on va le remplir. Comment on peut devenir client? Tu es venu soutenir un commerce local, justicier? Ouais. Je peux pas. Pas tant que Tweak et Craig n'ont pas réglé leurs problèmes. Mais c'est fait pourtant, non? C'est totalement fait. Ouais, c'est très bizarre, attendez. Désolé, petit, je ne fais de selfie qu'avec les clients. Ok, bah je vais... Je viens de recevoir des grains de café, petit. Ils sont tout frais. Je vais juste acheter Excellent ça. Excellent choix. C'était un réel plaisir. Et normalement, là, on peut faire une Ce photo. Ce justicier nous a tous donné une raison de croire. Ok, c'est Youpi bon. On est bon, Monsieur Tweak, c'est fait. J'adore les selfies là, fait maison. Là, normalement... Je peux pas. Pas tant que Tweak et Craig n'ont pas réglé leurs problèmes. Il est totalement réglé leurs problèmes, on vient de le faire. Peut-être qu'il faut aller voir cette thérapie, non? Cette fichue thérapie. Ok, bougez pas. On va faire une autre quête. Alors, il y a Al Super Guest, c'est pour les chats. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Objet trouvé pas intéressant. Retrouve le moustique au raisin. J'ai bien envie de le faire. J'ai bien envie de le faire, ça me prend bien. Et il va peut-être me proposer un truc super cool. Et le raisin, il est là-haut. C'est pas trop loin. Hein. Attendez. Ça va, c'est faisable, c'est faisable, on y va les gars. Donc aujourd'hui cet épisode c'est que de la quête secondaire. Ça me fait plaisir, j'ai bien envie. Personne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans ces jeux là. Si je fais peut-être un peu trop de secondaire, mais je trouve que ça reste nécessaire. Tout simplement parce qu'on est déjà à la fin les gars. Donc autant profiter de l'aventure South Park et le délire le plus longtemps possible. Je trouve ça assez cool. Et en plus les quêtes sont... c'est la quête de la licorne qui m'a donné envie d'aller toujours plus loin. Parce que c'est vrai qu'elle était quand même super cool. Allez, on est parti les gars. Il faut d'ailleurs... Je me suis racheté tous les South Park avec une très grosse promo Amazon. Attention, c'est pas une pub déguisée les gars. Et... Oh, attendez. Et il faudrait tout ce que je me les rematte. Parce qu'il y a tellement de références dont je passe à côté. C'est assez terrible. Ok, on va prendre ce chat. Encore un nouveau chat, les gars. Lui, je m'en souviens. Toujours essayé de le capturer, jamais réussi. Allez, Loki Super Game. Mais combien il a de chats, c'est terrible. C'est terrible. Ok, ça c'est fait. On est parti, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Une seconde, c'est le vengeur Peter. Je devais aller où déjà? Ah oui, je devais aller au raisin, c'est ça. C'est parti. Oh, attendez. La pharmacie, est-ce que dans mes souvenirs, il n'y a pas un truc cool? On a Servietsky. J'ai toujours pas fait... Voilà, j'avais toujours pas fait de selfie avec Servietsky. Merci, petit. Servietsky va te suivre sur Instagram, tu peux en être sûr. C'est pas mal, là. Et là, on accumule un nombre de selfies assez impressionnant. Des mots. Ok. Ok, lui, on peut rien faire avec lui? Si. J'ai eu bien peur. Allez! On est bon là, on est très très bon, on a fait je ne sais quoi. Génial! Alors va pas te promener en essayant de faire brûler la boutique. Allez, j'ai gagné un t-shirt les gars. On ira voir très très vite ce que ça nous a offert. C'est le méchant Trouduc. On a un cadeau pour toi. Vous êtes pas intéressante. Non. Attends. Ah, le nouveau, t'es là. Allez, moustique, dis-moi tout. Le nouveau, les harpies qui sont là-dedans ont volé la carte bancaire de mon père. Tu dois m'aider à la reprendre. Tu sais que je ne peux rien contre leur pouvoir de séduction. Je ne peux pas y aller seul. Tu veux bien m'aider? Super, passe devant. Bon, finalement, c'est toujours pas battu. Donc il est là, les gars, notre moment fight. Salut, bienvenue au raisin, trésor, pour une personne. C'est Scamma, c'est celui qui a battu Porsche et Mercedes. Exact. Et il est là pour reprendre la carte bancaire de mon père, pulpeuse voleuse. Tu nous as donné la carte de ton père pour passer du temps avec nous dans la fosse des combats. Même pas vrai, je voulais juste partir. Alors pourquoi t'as dit « Attendez, je vais revenir avec la carte de mon père, il s'en rendra même pas compte ». Ah, ça suffit. Rendez-moi cette carte ou il va y avoir des soucis. Il y a un souci ici, les filles. Oh, il va y en avoir. À moi, les filles du raisin. Aïe, aïe, aïe. Elles sont nombreuses, hein. Elles sont nombreuses et il y a un boss. Ok, elles sont... Les autres clients sont des losers, mais toi, tu as l'air cool. D'accord. Waouh. Elles sont 6 plus monsieur. Absolument, trésor. Quoi? Mec, vous connaissez Manada? Interdiction d'y toucher, d'accord? Ça n'a pas traîné. J'attends la commande. C'est compliqué, les gars. Non. Toi, c'est hors de question que tu m'infliges des goûts, frérot. Tu Pourquoi vas passer ton tour. Lâche-toi, nouveau. Ok. Alors, comment on va faire? Eh ben, on va faire... On va faire ça, tout simplement. Hein. Ah non, c'est bon. Il est plus hypnotisé, le frérot.
S'il l'est toujours. On va faire ça. On va faire ça. Normalement, ça devrait le réveiller. Et en plus, c'est un truc de recul. C'est... Ah non. Et si tu laissais les dames tranquilles, ça met KO. C'est plutôt cool aussi. C'est bon, je l'ai rendu cool. Ok. Alors lui, on a un petit boss. Oh, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. C'est du niveau 500, quand il les gars. Fait griller comme ça. Le jeu c'est reste juste à la histoire de dire qu'on fait cette quête et peut-être que ça va nous offrir un truc cool. Ouais, c'est pas mal. On va faire ça, on va se glisser derrière. Ah, mais ils sont 4, j'ai pas vu de guerre. Ok, elles vont venir une par une, je pense. Ça risque de créer quelques petits soucis. De nos ailes de poulet double choc. Ok, c'est pas mal ça. Du sang frais. C'est pas mal bravo, ça. Excuse-moi, faut que je gerbe. Je pense qu'il est bientôt mort. À toi, cul d'enfer. Je pense qu'il est totalement mort. Je sais pas si ça met fin au combat. Ouais, je m'y attendais. Oh, je suis en l'air. D'accord. Attendez, il se passe quoi là? Ah, il en reste. Ok. Ok, il en reste une. Qui je peux soigner? Moustique? Moustique, ça me paraît pas mal. Je suis idée, crâneur. 314 de bouclier, c'est pas négligeable. À moi de jouer. Et puis normalement, elle, on peut la mettre KO, aucun problème. Méga là, coup de c'est point. Vraiment la fin. Bah, mais essayez nos poppers sans fromage la prochaine fois. Allez les filles, ah, on va leur mettre je bien profond à ces corneaux. Bark. Salut trésor, j'espère que vous passez un bon moment. Ok, engouement, c'est pas bien grave. C'est peut-être pas fini. Ah, je oublie d'appuyer sur A, je sais pas ce que ça fait. Mec, tu te lâches trop là. Hop. Ça fait ça, du c'est bien. Du one shot. Pas cool. C'est fait. Il en reste plus que 3. Ok. Cogne-les, le nouveau. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça va le traverser en plus. Vas-y, régale-moi. Eh, hey, laisse un peu de sang aux insectes porteurs. Donc, saignement pour Krex. Mais je crois que ça lui saute la joue. Trop, là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand chose, hein. Je vais laisser filer le train de bronzage. Qui a commandé la raclée à l'ancienne servie froide? Ok, c'est pas grave. Plein, mec. L'excitation monte. Ultime prêt. C'est du one shot, ça sert à rien. Mais ça serait perdre un multi. On sait jamais s'il y a quelqu'un d'autre après. C'est du ça niveau 500, hein. 500, c'est quand même assez strong normalement. Vas-y, on va faire ça. Qu'est-ce que c'était pas un crime de guerre, ça? Ok. Fous-leur sur la gueule. Quoi qu'il arrive, je peux... Ok, j'ai ma petite idée. Aïe, aïe, aïe. Toujours vivante. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Fini pour toi, c'est pas terminé, il en reste une. Vite nous voir. D'accord, c'est promis. Bon, il reste plus que nous, les poufias. Oh, attendez, je ne suis pas venue toute seule. C'est pas un plan drague. Ah, alors, bah voilà. Ouais, ça, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être sous envoûtement. Le temps est ton allié, trop dur. D'accord, à mon tour. Ok. Bon. 600, c'est plutôt pas mal. Et c'est la première fois qu'on le voit son ulti. Oh, il est trop stylé. Joue pas à ça avec moi, gamin. Il est vraiment stylé. Ok. Je suis le remède. Ok, ça, c'est pas mal. On va mettre du dégueu partout. C'était vraiment dégueu, mec. Quoi? Attaque boostée? C'est à toi! Ok. On va mettre en feu. Donc dégoût. On la joue comme ça maintenant? Attaque boostée pour le moustique. C'est plutôt cool. Des gamins comme vous, j'en bouffe au petit déj. Par contre, attention. Je sais pas ce qu'il y a. Désolé que ça n'ait pas collé entre nous. Ah! Ah, c'est du one shot! Et voilà, je vais plus la gerbe toute la journée! Voilà, bon, c'est bon, c'est terminé. Allez, ça dégage. Ressens la colère de l'homme cerf-volant! Ça dégage très rapidement. Hop, une minute de temps de vider ses cadavres! On n'en parle plus. Ah, c'est sorti tout seul, je voulais pas dire ça. Super dégueu, mec! Allez, tu as gagné! Victoire! Là, voilà, là, j'ai plus rien à craindre de mon raisin. Père. Je vais la remettre et dans j'ai sa colonne. J'ai gagné la tenue du raisin, ça c'est plutôt cool. Donc, grâce à la tenue, je vais pouvoir faire des selfies normalement dans la boutique. Le nouveau, t'assure grave. Allez, ça c'est fait. Ok, donc normalement, regardez bien. Normalement déjà on a un selfie. Francis, je l'avais pas du tout vu. Ça c'est très très bon. Cool. Il faut que t'achètes un pass selfie. Un pass désolé. Selfie. Gamin, je ne suis que le super héros cyborg. C'est mon truc. Ok. Là il y a plein de personnes qu'on n'a pas vues.
Et on n'a pas pu avoir de selfie avec. D'accord. Bonne chance avec nous. Ouais, je fais des selfies uniquement avec les super-héros Karate Kid qui payent bien. Karate Kid, ok. Désolé, je ne suis que les super-héros télépathes. Ok, et toi? On peut pas savoir. Je crois que c'était en assassin. Ah, dur. Mademoiselle? Ah, il faut que t'achètes un pass avant que je ne songe à faire un selfie avec toi, chérie. Un pass selfie? Oh, clé du garage de Clyde. Ok. Là, il y a beaucoup de tableaux, on va essayer d'analyser. Je ne suis gay que pour les héros Speedster, désolé. Ok, désolé, Speedster. Je ne suis que les héros Herbomancien. D'accord, donc faudra revenir ici avec plein de costumes, j'en ai déjà certains. Mais le temps de faire le tri et tout, je ferai limite ça en off. Et là, il y a un pass à acheter, est-ce que si je lui parle juste... Ne dis rien aux autres clients, ouais. Chérie, mais on a du nouveau aujourd'hui. Recette oh mon dans. Dieu, c'est, pas mal. C'est exactement ce que j'allais te pass suggérer. Pass selfie, aïe aïe aïe. Ah, c'est des saletés ça, hein. Juste pour faire un selfie, il faut bye payer bye 5 bails. Aïe, aïe, aïe. On fera ça un autre jour. Dur, coup dur pour le joueur franco-italiano-portugais. Bon, les gars, on a réussi à faire deux quêtes assez sympas et qui traînaient. Donc, c'est plutôt cool. On a avancé encore une fois. Enfin, on a avancé pas dans le jeu principal, mais on a avancé dans le jeu tout court. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire si cette vidéo vous a plu. Je retourne de ce pas au lac. Je suis le plus on va pouvoir... Bah, s'arrêter là et puis prochain épisode les amis marquera probablement la fin, peut-être pas de l'aventure mais en tout cas la fin du jeu qui est lancé. Quoi qu'il arrive, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.